retrouver une perception des contrastes. C'est-à-dire, cette table blanche, avec des objets gris, gris foncé, il est capable de localiser ces objets gris. Il y a tout un dispositif de lunettes qu'on voit bien sur cette vidéo. Lorsqu'il n'utilise pas ses lunettes, il est incapable de localiser quoi que ce soit. Il voit à peine la différence entre le jour et la nuit. C'est une vision contrastée. C'est par exemple un passage piéton où il va pouvoir voir les zébras sur le passage piéton. Ou dans une cuisine, si par exemple il y a une plaque à induction avec des chiffres, il sera capable de localiser ces chiffres, de localiser le cercle où il n'est pas censé mettre sa main, etc. C'est hyper enthousiasmant. C'est le premier patient inclus dans ce protocole qui, d'abord, a bien toléré cette nouvelle procédure et, deuxièmement, qui retrouve une certaine perception visuelle. Associé à tout ce dispositif de lunettes, etc., il y a toute une série de rééducations, des séances pour que le patient puisse apprendre à voir différemment et à revoir un peu différemment les images. Et tout ça, ça va être amené à s'améliorer avec le temps.